Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je suis avec Amine qui va nous parler de comment gagner sa liberté en vendant des connaissances, notre savoir sur Internet. Il va nous parler en trois temps de ce sujet qui, non seulement est intéressant, mais c'est ce que moi je vis, c'est ce que vit Amine. Et donc, on va vous parler de choses très réelles et qui est en train de changer la société même, j'ai envie de dire. Amine, si tu veux bien te présenter un peu, nous raconter un peu ton parcours pour que les gens sachent que tu es en Martinique, mais en vacances par exemple, c'est pas là où tu vis, qu'on connaisse un peu ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir et merci d'être là avec nous. Ok, donc je vais essayer de faire court. Je m'appelle Amine Lanz, j'ai commencé sur le web, j'ai lancé mes premiers sites entre 2010-2011. Je me suis mis à temps plein en 2012, directement après avoir eu mon diplôme d'ingénieur. Et depuis 2012, j'ai testé pas mal de choses. J'ai à peu près tout testé de ce qui se fait sur le web. J'ai testé des sites de niche avec de la publicité AdSense, de l'affiliation Amazon, de l'affiliation avec de la vente de devis. J'ai fait du print on demand. J'ai fait pas mal de trucs. Et puis, à un moment, j'ai fini par comprendre ce qui marchait pour moi en tout cas. Et j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment. C'était justement la vente de connaissances et la vente de produits numériques. Donc, j'ai monté plusieurs activités autour de ça. J'en ai une avec ma femme qui marche très très bien et sur l'activité pour laquelle je vis, elle est professeure des écoles et elle a un blog pour les professeurs des écoles ou avant des ressources pour les professeurs des écoles. Génial. Et du coup, le sujet sur lequel je suis visible sur Internet, c'est justement cette chaîne qui s'appelle otake.com sur laquelle j'enseigne aux gens comment faire la même chose, comment pouvoir gagner sa liberté en vendant des savoirs sur Internet. Et quand je dis liberté, tu vois, tu as dit que j'étais en vacances. Moi, je ne considère pas trop que c'est des vacances parce qu'en fait, c'est simplement je suis en voyage, donc je suis loin de chez moi, c'est vrai. Mais tu vois, là, il est 7h15, je suis en train de travailler, en train de faire une interview. D'ailleurs, il y a le soleil qui est juste en train de se lever là. Je deviens tout blanc parce que je commence à avoir le soleil dans les yeux. Je me décale un peu. Là, je me mets derrière le poteau parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ouais. Et du coup, ça ne va pas le faire. De toute façon, bref, je vais essayer de regarder la caméra et pas le soleil. Et du coup, en fait, le but, c'est vraiment de... pour moi, le rythme que j'ai trouvé depuis ces dernières années, c'est pas de chercher des périodes de travail et des périodes de vacances. C'est vraiment d'essayer d'avoir un quotidien qui soit à peu près le même. Alors, bien sûr, tout n'est pas pareil quand je suis ici en Martinique que quand je suis chez moi, mais j'essaye de faire à peu près la même chose. Et c'est Seth Godin qui avait dit une citation qui est restée pendant longtemps. Ma citation préférée, aujourd'hui encore, ma citation préférée, c'est « Au lieu de vous demander quand seront vos prochaines vacances, peut-être que vous feriez bien de vous créer une vie de laquelle vous n'avez pas besoin de vous échapper. » Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'avoir une vie où finalement, j'ai pas envie et j'ai pas besoin d'attendre les prochaines vacances pour kiffer. Donc là, je commence déjà à faire des réponses longues. N'hésite pas à m'interrompre. Sinon, mais t'inquiète, moi, en plus, je vais prolonger ta réponse parce que ça m'intéresse. J'étais très marqué l'année dernière au sommet. Tu nous avais déjà parlé de, je crois que tu casais tous tes rendez-vous sur un ou deux jours dans la semaine. Et tous les autres jours, en fait, tu étais libre de faire ce que tu voulais entre guillemets. C'est comme ça que tu t'organises toujours? Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, moi, j'aime pas les rendez-vous. J'aime vraiment pas les rendez-vous et j'ai très peu de rendez-vous, en fait. Là, j'ai quoi comme rendez-vous dans une semaine normale? Si on prend toute cette semaine, là, on est sur 7 jours. J'ai quoi? J'ai toi et j'ai un appel avec mes clients parce que c'est un appel groupé. Sinon, j'ai rien d'autre. Et du coup, et même ça, tu vois, au final, comme ça me faisait entre guillemets chier d'avoir un rendez-vous avec toi parce que ça coupait ma journée, je l'ai mis super tôt. Comme ça, je sais que voilà, tout le monde dort. Je me lève un peu plus tôt. Et finalement, après, ma journée, elle est libre. Ouais. Et c'est un truc que moi, j'ai toujours voulu faire. C'est, tu vois, aujourd'hui, j'ai un fils. Et typiquement, j'essaye de travailler quand lui dort. Mais quand lui, il est réveillé, j'ai pas envie de passer du temps sur mon ordi alors que lui, il est par exemple à la piscine avec ma femme ou qu'il va à la plage ou qu'il me dise « Tiens, on t'attend, finis ton truc, finis ton appel et après on sort. » Donc, c'est pour des choses comme ça où j'évite les rendez-vous. Après, c'est pas toujours comme ça. Par exemple, il y a des périodes où quand je suis en phase, entre guillemets, de recrutement ou de candidature pour mes programmes, bien sûr, j'enchaîne les rendez-vous. J'essaye de les caler, par exemple, sur des tranches horaires assez, assez courtes pour éviter d'avoir toute la journée, je sais pas moi, un rendez-vous à 9h, un rendez-vous à midi, un rendez-vous à 16h et finalement, ça le bloque toute la journée. Donc, j'essaie de vraiment les regrouper pour enchaîner et après être disponible.
Ok, alors dis-nous un peu, c'est quoi ton travail, ton expertise, quelle est la valeur que tu apportes à tes clients et qui te différencie des autres, entre guillemets. Qu'on comprenne bien, c'est quoi ta spécialité, ton expertise. Ok, donc moi, j'ai des gens justement qui veulent vendre leur savoir sur Internet. On va peut-être définir ce que ça veut dire, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo. Et d'ailleurs, je te remercie vraiment de m'avoir invité. C'était un plaisir l'année dernière de participer à ce sommet. Et c'est encore un plaisir de partager avec ton audience. Vendre son savoir, c'est quoi? C'est qu'on sait tous des choses qui nous paraissent évidentes, qui nous paraissent faciles pour nous, qui sont compliquées pour d'autres personnes. Ça peut être des choses qu'on sait, donc en termes de savoir ou en termes de savoir-faire, ou même en termes de savoir-être. Et tu sais, typiquement, quand tu as un problème avec ta voiture, tu appelles toujours la même personne qui va te dire « Tiens, bah oui, c'est un problème de carburateur ou c'est un problème de pompe à injection ou enfin, je connais rien. Mm-hmm. » Quand tu as un problème pour remplir ta feuille des impôts, tu appelles à peu près toujours la même personne. Et toi, il y a un cas dans lequel les gens t'appellent. Ça peut être pour une recette de cuisine. « Tiens, au fait, c'est combien de temps au four pour faire ma dinde de Noël ?» Ou ça peut être pour résoudre un problème de couple. Ça peut être pour dépanner leur ordinateur. Ça peut être pour préparer leur voyage ou pour organiser quelque chose. Et en fait, ce domaine dans lequel les gens t'appellent, si tes amis t'appellent, c'est que d'autres personnes ont peut-être besoin de ton aide et que tu peux peut-être aider d'autres personnes. Donc moi, globalement, j'aide ces personnes-là qui veulent aider des gens et qui veulent gagner leur vie grâce à ça, à en faire une activité. Et mon expertise, c'est que après toutes ces années, j'ai un peu une vision d'ensemble du système. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se sont spécialisées, par exemple, je sais pas moi, sur les webinaires ou sur la pub Facebook ou sur le référencement. Et en fait, comme j'ai testé pas mal de choses, j'ai tendance à ne pas vouloir imposer quelque chose à mes clients, mais de partir de ce que eux ils veulent faire. Et je suis pas forcément expert en pub Facebook ou expert en référencement, etc. Mais comme je m'y connais, j'ai eu des résultats via ces modèles-là, je peux te dire, ok, tu veux faire du référencement sur ton blog, voici les étapes à suivre. Tu veux faire de la pub, ok, on va faire comme ça. Tu veux lancer un blog, bah bien, on va faire ça. Tu veux faire de la vidéo Facebook, YouTube, ok, on va le faire. Et je suis pas en train d'imposer simplement une méthode. Et la deuxième chose, c'est que très souvent, je me rends compte que mes clients et les personnes qui viennent me voir, elles ont acheté des petites formations à droite à gauche. Elles ont plein de pièces du puzzle, mais elles se sentent bloquées parce qu'elles n'ont pas cette vision d'ensemble. Et ce que je leur apporte, c'est ça, c'est la vision d'ensemble et aussi le fait d'être avec eux. Et au lieu de te dire, bah ok, bah, tiens les pièces du puzzle, tu vas les mettre dans ce sens-là, c'est ok, je m'assois à côté de toi, à une table, et on fait le puzzle ensemble. Wow. Et du coup, c'est hyper concret, et puis la personne, elle se sent accompagnée, et le résultat, elle est réel, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que il y a vraiment un réel accompagnement. Donc, on répond tous les jours à tous les messages écrits, on a des appels toutes les semaines. Il y a vraiment un suivi, c'est pas juste tiens des formations en ligne et regarde ça dans ton coin. Moi, je suis de moins en moins fan de ce modèle-là, justement, de uniquement donner de la formation vidéo. Ouais, c'est top, c'est top. Tu as parlé tout à l'heure de créer une activité avec ses connaissances en introduction pour que ce soit concret pour certaines personnes. C'est quoi une activité? C'est des activités? C'est quoi comme type d'activité? Concrètement, quel métier, entre guillemets, ça représente? Ok, mais en fait, il y a plein de métiers différents. Et dans la manière d'entre guillemets délivrer ses connaissances, il y aura plein de moyens différents. Donc, le format de ton produit, ça peut être, tu peux vendre du format écrit, donc des livres ou des e-books ou des guides PDF. Ok, tu peux vendre enfin des formats écrits qui ne soient pas des livres. Moi, ma femme, elle vend des PDF, c'est des plateaux de jeu. Donc, c'est pas un livre vraiment, mais c'est des plateaux de jeu à imprimer. Donc, tu vois, typiquement, elle a un blog sur lequel elle partage ses ressources et elle partage ses produits. Elle n'a jamais montré sa tête, elle n'a jamais fait de vidéo. Et pourtant, ça a rapporté voilà, des centaines de milliers d'euros. Après, ça peut être des formations vidéo. Okay, donc, tout ce qui est vidéo, donc un espace membre avec des vidéos où tu expliques étape 1, tu dois faire ça, étape 2, tu dois faire ça, étape 3, tu dois faire ça. Donc, ça, c'est, on va dire, de la formation. Après, il y a toute la partie où toi, tu vas intervenir. Ça peut être du consulting, ça peut être de la prestation de service également. Tu vois, quand tu développes des sites internet pour des gens ou que tu fais du montage vidéo, bah en fait, tu vends tes connaissances parce que les gens ne savent pas faire ce montage-là et toi, tu le fais pour eux. Ça peut être aussi du coaching, de l'accompagnement où tu prends les gens par la main et tu le fais avec eux ou tu le fais pour eux. Donc, ça tout ce format-là, donc c'est tous ces métiers-là en fait, que ce soit vendre des formations, vendre des livres,
vendre même des conférences, vendre du coaching, vendre la prestation de service. À partir du moment où tu vends ce que tu as dans la tête et tu le transformes en concret pour tes clients, ça rentre dans ce que je peux t'enseigner. Génial, génial. Alors bon, on va pouvoir attaquer maintenant après cette belle et nécessaire longue introduction. Tu voulais nous parler de comment trouver notre niche, comment créer une offre et comment mettre un système en place. Donc, allons-y. Sur quelle niche partir? Voilà, j'ai plein d'idées, j'ai pas d'idées. Comment je choisis ce qu'il faut faire et à qui je m'adresse? Ok. Bah, en fait, il y a beaucoup de personnes qui cherchent justement, qui cherchent une idée, qui cherchent une niche, qui cherchent une thématique. Et en vrai, là, j'en parlais hier sur Instagram. J'ai une amie à moi, une très bonne amie depuis, je sais pas, ça doit faire 10 ans qu'on se connaît. Et elle m'envoie un message, elle me dit, tiens, Amine et tout, moi aussi, j'ai envie de lancer un business sur Internet. Je lui dis, ouais, tu voudrais faire quoi exactement? Est-ce que tu voudrais vendre des produits physiques ou des produits numériques et tout? Elle me dit, je sais pas trop, mais elle dit, je pense que les produits numériques, justement, il y a plus d'avantages. Je lui dis, oui, moi, je suis d'accord avec toi. Et elle me dit, je sais pas par où commencer. Et je dis, elle me dit, j'ai pas d'idée. Je dis, la première question que je pose à mes clients et que je t'invite à te poser, c'est quel problème je veux résoudre et pour qui? En fait, tu cherches pas une niche, tu cherches pas une idée, tu cherches pas une thématique, tu cherches un problème. Et en fait, ça, moi, j'ai mis du temps, j'ai mis énormément de temps à comprendre ce truc-là. En fait, je l'entendais un peu à droite, à gauche et tout. Puis, il y a environ 2 ans, il y a un ami à moi qui m'a posé la question plusieurs fois, qui a insisté. Et je me dis, pourquoi il pose cette question? Et en fait, j'ai mis du temps, et donc ça m'a pris quelques années à comprendre que c'était vraiment ça, la clé de voûte, vraiment le point de départ de ton activité, c'est quel problème tu veux résoudre. Et la plupart des gens qui ne gagnent pas d'argent sur Internet, c'est quand tu leur poses cette question-là, ils ne savent pas répondre. Et donc, pour trouver ta niche, le point principal, c'est quel problème je veux résoudre et pour qui. Et en fait, très souvent, au début, on se focalise sur le pour qui, sur le client idéal. Et en fait, il n'y a pas de client idéal, il y a un problème idéal. Et après, il y a des clients qui ont ce type de problème. Mais il faut déjà se focaliser sur le problème. Et donc, le problème, il faut qu'il ait trois caractéristiques. Il y a Stan Leloup qui va passer sur le sommet également. Stan le Marketing Mania 80, l'acronyme qui est super bien et que moi je reprends parce qu'il est très clair. Il faut que le problème il soit dur, douloureux, urgent et reconnu. Et en fait, plus le problème il est douloureux, plus il est urgent et plus les gens ont conscience de ton problème, donc plus il est reconnu, plus ce sera simple de leur vendre, une solution, tu vois. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que il y a carrément des gens qui partent sur le web et qui se disent quelles sont les opportunités, quelle industrie me permet de gagner plus d'argent, quel produit à vendre en dropshipping me permettrait de gagner plus d'argent. C'est quoi la peur ou qu'est-ce qui se cache derrière les gens qui pensent comme ça, qui pensent plus quelle opportunité de gagner de l'argent plutôt que de réfléchir en termes de problèmes? En fait, déjà, la plupart des gens n'ont pas compris, en fait, n'ont pas conscience que justement, c'est une question importante à se poser. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il y a une méthode secrète ou qu'il y a un moyen secret ou qu'il y a un raccourci et qu'il y a un moyen plus facile qu'un autre de réussir. En réalité, si demain, tu veux faire du dropshipping, si tu veux faire du e-commerce, si tu veux faire de la vente de formation, si tu veux faire… peu importe ce que tu veux faire, si tu veux devenir influenceur, dans tous les cas, il va falloir travailler. Dans tous les cas, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande des investissements. Et je ne pense pas qu'il y ait un truc plus facile qu'un autre. Mais après, il y a des choses avec lesquelles on a plus d'affinité. Okay, par exemple, il y en a qui ne veulent pas faire de vidéo, ne fais pas de vidéo. Il y en a qui préfèrent vendre des objets physiques pour ne pas avoir un business associé à leur image et justement, juste avoir une marque. Pourquoi pas, tu peux faire ça. Mais… il n'y a pas de moyen plus facile qu'un autre. Tous les moyens sont bons. Moi, j'ai gagné de l'argent avec pas mal de ces moyens et ils vont tous marcher en fait. Si tu fais les choses correctement et si tu te lances, ça va marcher. Mais il faut parfois laisser le temps au processus et laisser le temps même à soi de devenir capable justement de gagner de l'argent. Parce que tu sais, les gens, ils se lancent avec 200 euros en poche et ils pensent qu'au bout de 2 mois, ils vont commencer à gagner leur vie. Tu sais, alors que tu parles à quelqu'un qui a ouvert une boulangerie, il te dit pendant 4 ans, je ne gagne pas d'argent. Tu vois. Et en fait,
c'est paradoxal. Le web, comme ça permet beaucoup de choses, ça permet d'être libre, tu vois, ça permet d'être en Martinique, de travailler 2 heures par jour, de gagner bien ta vie. À la fin du chemin, donc en termes de résultats, les gens, ils pensent que c'est ce qui va être possible dès le premier jour. Mmh. Et en fait, au début, faut quand même travailler. Alors bien sûr que ça a des leviers extraordinaires, bien sûr que ça permet beaucoup de choses que tu pourrais pas faire dans le système traditionnel, mais ça reste quand même un business dans lequel il faut mettre des efforts et avoir des résultats genre en 2 semaines, ça existe et on en a vu, tu vois, mais c'est extrêmement rare. Déjà, avoir des résultats, c'est quand même la minorité, parce que la plupart des gens vont abandonner avant d'avoir des résultats, mais avoir des résultats rapides, c'est encore beaucoup plus rare que ça. Donc, faut se dire, bah voilà, j'ai quelques mois, peut-être même quelques années avant de trouver vraiment ce qui marche pour moi. Ouais. Ok, top. Donc, voilà, être patient, persévérant. C'est vrai que moi, j'avais lu La Semaine de 4 heures quand je me suis lancé dans le business. Et c'était le meilleur et le pire livre que j'ai lu en même temps. Le meilleur parce que ça m'a fait rêver. Je me suis dit, tiens, c'est génial, je vais me lancer, je vais tout déchirer. Et c'est aussi le pire parce que ça m'a rendu feignant. Tu sais, je suis rentré dans le business tout de suite avec cette idée, comment je peux automatiser les choses pour travailler le moins possible. Alors que non, en fait, au début, tu as besoin de travailler et… Même, c'est un plaisir, quoi. Les premiers mois, les premières années, c'est un plaisir que tu retrouveras plus jamais, tu vois, quoi. Sauf si tu lances un nouveau projet. Donc, que les gens fuient pas ça. Moi, après, je suis un peu dans ce mode-là. Je suis un peu dans le mode semaine de 4 heures. Mais je suis conscient que ça me freine énormément. Enfin, ça m'a freiné énormément dans ma croissance. Typiquement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui disait, ouais, pourquoi je suis pas encore millionnaire? C'est parce que, en fait, quand je me suis lancé, donc en sortant de mes études, j'ai gagné quelques centaines d'euros et je me suis dit, il faut que je gagne ma vie le plus vite possible parce que sinon, je vais devoir aller chercher un travail. Donc, pendant 6 mois, vraiment, j'étais à fond. Donc, je faisais des journées, on va dire, normales de travail, de 7-8 heures de travail par jour. Et en fait, j'ai réussi à passer le plafond de 2000 euros en quelques mois. Et à partir de là, je suis passé en mode semaine de 4 heures. Et pendant 3-5 ans, je sais plus trop… j'étais en semaine de 4 heures et ce qui fait que finalement j'ai pas gagné énormément, donc je suis resté entre 2000 et 3000 euros pendant plusieurs années parce que je faisais pas grand chose et c'est normal, tu vois, je peux pas faire accélérer un business quand je travaille pas beaucoup. Et typiquement là, quand je suis en Martinique, mon business je l'entretiens, donc je fais les vidéos que je dois faire, je fais les entretiens que je dois faire, mais je peux pas l'accélérer à fond parce que quand tu dois l'accélérer, et toujours, pour passer un nouveau palier, il faut toujours que tu accélères et que tu travailles dur. Et justement, là, ça fait quelques mois où j'ai repris ce rythme un peu de travailler un peu plus qu'avant. Donc, je ne fais toujours pas des grosses journées. Et en fait, c'est une habitude que j'ai du mal à prendre, de me dire, tiens, j'ai travaillé 8 heures par jour. Mais je travaille plus là depuis 3-5 mois, je travaille plus qu'avant parce que j'ai envie d'accélérer, de passer un nouveau palier. Et du coup… parce que j'ai envie aussi de profiter d'une dynamique qui s'est un peu mise en place toute seule et donc j'ai pas envie de laisser ça passer et d'aller un peu plus loin et plus vite. Mais typiquement, si tu travailles pas beaucoup, tu peux entretenir un truc, mais tu vas pas pouvoir grandir beaucoup. Et au début, comme t'as rien, ça sert à rien de travailler 2 heures pour entretenir rien du tout, tu vois. Donc faut vraiment travailler au début pour mettre en place tout ça. Mais du coup, là, les gens, ils se demandent, mais Amine, il fait quoi le reste de son temps? Pourquoi il travaille si peu? Est-ce qu'il est paresseux ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Donc, je connais la réponse. C'était pas genre paresseux, mais du coup, ça nous permet aussi d'aborder cette question de la liberté. C'est quoi la liberté pour toi? La définition de la liberté, qu'est-ce que ça représente? Et du coup, je pense que tu y répondras en nous disant ce que tu fais de ton temps. Là, c'est pas, comment dire? Là, c'est pas représentatif parce que je suis vraiment dans un rythme de vacances, tu vois. Genre, là, je vais terminer l'appel, je vais aller prendre mon petit déjeuner avec ma femme et mon fils. On va aller à la plage. Il va rentrer, il va faire sa sieste. Pendant qu'il fait sa sieste, je vais travailler un peu. J'ai des vidéos de formation à tourner pour mes clients. Après, on va aller manger. On va se poser aussi, peut-être un peu à la piscine ici. Mais en général, le midi, on évite parce que comme il y a beaucoup de soleil, il fait chaud et pour le bébé, c'est pas ouf. Donc soit on va manger, puis après il refait une sieste l'après-midi. Donc soit l'après-midi, soit je fais une sieste avec lui parce que j'aime bien dormir avec lui et je trouve ça trop mignon. Soit et en plus comme j'essaye de travailler le matin et le soir, ça fait que j'ai aussi besoin de faire des siestes.
Et après, en fin de journée, très souvent, voilà, on va se poser à la plage, on regarde le coucher du soleil, on rentre, je joue avec lui, on prend sa douche. Bah tiens, c'est l'heure de manger pour lui, on le fait manger, on va le coucher, nous on mange. Après, soit voilà, on se pose, on discute un peu, ou sinon, je prépare un ou deux trucs sur l'ordi. Et voilà, mes journées ressemblent à ça ici. Mais finalement, en France, c'est à peu près la même chose, sauf que au lieu d'aller à la plage, bah, soit on va se promener à la forêt à côté de nous, soit juste je reste avec lui sur son tapis et je joue avec lui, ou on sort. Et du coup, bah, hier, tu vois, c'était hier en plus, comment dire, il y a quelques mois, je parlais avec des amis qui ont eu des enfants et tout, des amis entrepreneurs, et ils me disaient, ah, je suis content, j'ai réussi à me libérer une demi-journée pour pouvoir jouer avec mon fils dans la semaine. Donc hier, on était là sur le lit, tu sais, il y a un grand lit dans cet hôtel-là. Et en gros, tu vois, lui, le petit, là, il va avoir 10 mois là. Et du coup, moi, je sautais sur le lit, ça le faisait rebondir. Et il était comme un ouf, tu vois, il rigolait. Et j'ai fait ça genre pendant une demi-heure. Et je dis quand même, on a de la chance. Hein. Ceux qui me disent, en fait, j'arrive pas à comprendre ceux qui me disent, tiens, j'ai un enfant et je lui réserve une demi-heure, enfin, une demi-journée par semaine, tu vois. Moi, j'ai envie de lui réserver tout mon temps. Et travailler le minimum. Alors, bien sûr, il y a des moments où je dois travailler. Et bien sûr, tu vois, là, typiquement, là, il va se réveiller peut-être dans 10 minutes et on en a peut-être encore pour une demi-heure ou pour une heure d'appel. Donc, bien sûr, je ne serai pas avec lui quand il va se réveiller. Peut-être que quand je vais rentrer, il aura déjà pris son petit-déj et tout. Ça arrive, tu vois. Il y a des moments où je ne suis pas là pendant 2-3 jours parce que je vais dans des séminaires. Mais j'essaye quand même de profiter au maximum parce que voilà, le temps, ça passe vite. En un clin d'œil, il va avoir 18 ans, il va avoir 20 ans et je me dirais, putain, c'est passé trop vite, quoi. Mais du coup, ce qui paraît anodin pour toi l'est pas forcément, et je pense que c'est important de creuser ce point-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu accordes autant d'importance au temps que tu passes avec ton enfant et d'autres entrepreneurs le font pas? Pourquoi? Franchement, c'est des chemins de vie différents, tu vois. Tu sais, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il y a une question que moi j'ai du mal et c'est vraiment une question qui me tortille. J'en ai fait plusieurs mails. J'ai pas encore fait de vidéo sur ça, mais c'est en gros, est-ce que je veux être un lifestyle entrepreneur ou est-ce que je veux être un empire builder? En gros, est-ce que je veux construire un gros truc et faire, je sais pas moi, 100 000, 200 000, 500 000 euros par mois, ou est-ce que je veux juste gagner 5, 8 000 euros et avoir la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois? Et y a une partie de mon cerveau qui me dit non, te prends pas la tête, ne recrute personne, reste dans ton coin, fais ton truc tout seul et kiffe la vie que tu es en train de kiffer aujourd'hui. Il y a une partie qui me dit non, c'est pas combien de temps ça va durer sur le web en fait. Et c'est ça, de dire voilà, bah, peut-être qu'il faut construire un gros truc parce qu'il faut prendre les millions qu'il y a à prendre maintenant parce que je pense que je suis en capacité de le faire. Mais tu verras plus tard ce que tu en fais. Tu vois. Donc, c'est une question de. Il y en a qui c'est vraiment des challengers nés, ils veulent toujours faire les plus gros scores. Il y en a qui ont peut-être peur de manquer et donc qui travaillent vraiment pour prendre le maximum d'argent possible. Il y en a qui, pour qui leur business est super important et qui aiment ça, tu vois, et qui aiment bien travailler 8 heures par jour et c'est dans quoi ils s'épanouissent. Tu vois, je pense pas qu'il y a un entrepreneur qui te dira mon business est le plus important que mon fils, tu vois. Mais dans les faits, il y en a qui passent plus de temps sur leur business que sur leur enfant. Donc, franchement, je sais pas. Je suis pas du tout dans le jugement parce que je pense que chacun fait ce qu'il pense être bon, tu vois. Et moi, en fait, depuis le début, je me rappelle, j'ai un très bon ami à moi avec qui on a commencé dans l'entrepreneuriat. Et en fait, au début, il gagnait plus que moi, il gagnait beaucoup plus que moi. Je me rappelle, à une époque, il gagnait genre 10 000 euros et moi, je gagnais 2 000 euros. Tu vois. Et en fait, lui, il travaillait vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment dur. Et aujourd'hui encore, il a un autre business dans e-commerce et tout, ça marche bien. Et à l'époque, il me disait, bah toi, si tu ne gagnes pas autant que moi, c'est parce que tu pars trop souvent en vacances. Et je lui dis, ouais, mais regarde, quand on était en école d'ingénieur et qu'on voulait être entrepreneur, c'était pourquoi? Souviens-toi, les raisons qu'on se disait, c'était ne plus mettre de réveil, travailler où tu veux, travailler avec qui tu veux, être libre, pouvoir voyager. Et je fais au final, c'est ce que je suis en train de faire. Ok, je fais que 2000, 2500 euros par mois, mais c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, toi, tu peux faire 10, 12 000 euros, tu passes 8 heures par jour à travailler. Ça fait un an que tu n'es pas parti en vacances, tu dors 5 heures par nuit, bah, en fait, elle est où la raison, tu vois? Donc lui, il a peut-être eu raison parce qu'aujourd'hui, voilà, il a construit un gros patrimoine, il fait des gros sous et il a construit un truc. Et aujourd'hui, bah, 30, 32 ans, il a quand même amassé un gros paquet d'argent. Mais d'un autre côté, bah, tu vois, moi, voilà, je me suis marié, j'ai fait un tour du monde, j'ai fait des trucs.
Donc j'ai gagné moins. Aujourd'hui, j'ai moins d'argent que lui, mais j'ai peut-être des souvenirs que lui, il n'a pas. Tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le temps de les faire et que peut-être qu'il va faire un tour du monde l'année prochaine, je ne sais pas. Mais c'est une question de vision. Et moi, je me dis, je préfère kiffer maintenant parce qu'en fait, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Tu vois. Mm-hmm. C'est un truc dont j'ai conscience, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui agissent comme s'ils étaient immortels. Genre. Mm. Et moi, non, mais j'ai conscience. Moi, j'ai vraiment conscience qu'on n'est pas. Non, mais c'est vrai, quand tu regardes, la plupart des gens autour de toi se comportent comme s'ils étaient immortels. C'est-à-dire, ils te disent, j'économise pour dans 20 ans. Je prépare ma retraite, etc. Moi, je suis pas dans le. Tu sais, il y avait un moment, pendant un moment, un mouvement YOLO, ouais, tu vas vivre qu'une fois et du coup, c'est la débauche, les soirées, etc. Moi, je suis pas du tout dans ça. Mais je sais que ça peut s'arrêter à tout moment et j'ai pas envie de me dire, tiens, bah, si ça devait s'arrêter demain, bah, j'ai passé toute ma vie à créer quelque chose duquel j'ai pas pu profiter. Mmh. Tu vois? Parce que je pourrais me dire, je travaille pendant 10 ans, je construis un empire, je fais plusieurs millions et après je profite. Et c'est vrai, tu vois. Je me suis intéressé à l'entrepreneuriat il y a 10 ans. Donc, si pendant 10 ans j'avais fait, j'avais fait le chinois, mais je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça. Ah, si, tu peux aujourd'hui, c'est bien vu de travailler dur. C'est bien. Ouais, on ne fait pas donc, la grève, nous. Ouais, tu vois, donc si pendant 10 ans j'avais vraiment charbonné, bah, aujourd'hui à 30 ans, je serais multimillionnaire et j'aurais kiffé. Donc, il y a plein de trucs que j'aurais pas fait. Peut-être qu'aujourd'hui, je kifferais encore plus ma vie, mais j'aurais pu mourir entre les deux et me dire, bah, finalement, je suis mort en ne voyant pas mes enfants et en vivant tout seul et en mangeant tout seul le soir, en ne voyant pas mes amis. Et moi, je préfère vraiment kiffer le chemin, quitte à prendre un chemin un peu plus long, quitte à prendre un chemin qui prend plus de temps, quand même kiffer beaucoup le chemin et ne pas vraiment tout miser sur la destination. Ouais, je trouve ta réponse géniale et merci justement d'avoir pris le temps de développer un peu comment tu penses parce que c'est le danger d'Internet, c'est que tu dis tiens lui il est top, tiens j'ai envie de le suivre, tiens comment lui il fait et je vais faire tout comme lui alors qu'en fait ça correspond pas forcément à ce que toi tu veux donc je trouve que ton discours il est top et moi je m'y retrouve vachement. Parce que c'est vrai, quoi. On peut partir du jour au lendemain. Et aussi parce que je pense que certaines personnes veulent construire des gros business, des empires, mais pas pour les bonnes raisons. Tu vois, j'ai personne là en tête, donc du coup, je juge personne, mais je le dis, il y a des schémas qui sont que je manque de confiance en moi, j'ai eu une enfance difficile, c'était compliqué dans ma vie, du coup, maintenant, je me venge, tu vois. Je vais essayer de créer le plus gros business possible et avoir un business où, bah, pour montrer aux gens que j'ai réussi. Et ça, c'est des mauvaises raisons. On passe le ménage. Pas, il y a une espèce de bruit, en fait. Ils remplissent, je ne sais pas si tu le vois là-bas, ils remissent le petit bac, là, le pédiluve. Ok, et coup, ça va durer longtemps, tu penses? Non, ben non, franchement, ça va durer trop. Mais du coup, ouais, les schémas dont tu me parles, moi j'en ai deux, trois en tête, je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas, mais oui, il y en a beaucoup, c'est de la vengeance, tu vois, c'est vraiment de prendre une revanche sur la vie. Et du coup, après, c'est leur bonne raison à eux, tu vois, ils n'ont peut-être pas une enfance facile et ils se disent, bah tiens, je vais me montrer, je vais prendre une revanche. Et c'est vrai que, tu vois, typiquement, moi, ce choix-là entre le lifestyle et l'empire, tu vois, bah, il est vachement influencé entre. Enfin, dans l'environnement dans lequel je me trouve, tu vois. Quand je suis là, ici, avec mon fils et tout, bah, bien sûr que j'ai juste envie de faire du lifestyle et de continuer ça pendant toute ma vie. Et bah, quand je vais être dans des dîners avec des entrepreneurs où ils vont me dire, bah non, bah, en fait, tu vois, moi, la fois, je parlais avec des gens, ils me disent, nous, on a recruté 20 personnes là ces 30 derniers jours et finalement, on ne fait pas grand-chose, tu vois. On ne fait pas grand-chose, on a des managers qui gèrent, etc., etc. Et bien sûr, ça me donne envie de me dire, OK, je vais tester. Et du coup, j'ai, comment dire, t'as l'humilité en fait de aussi te remettre en question et d'observer quoi. Et de me dire ouais, peut-être qu'ils ont raison en fait. Et du coup, j'ai pendant longtemps, j'étais entre les deux et du coup, je prenais pas trop de décisions et je continuais à faire ce que j'ai fait. Et là, c'était hier soir, je parlais avec ma femme et je lui dis en fait, j'hésite entre l'empire et le lifestyle business. Mais en fait, moi, sur Internet, j'ai deux activités différentes. Tu vois, j'ai vraiment deux activités totalement différentes. J'ai celle qu'on me connaît au taquet et j'ai celle qui est avec ma femme justement. Et en fait, comme j'hésite entre les deux modèles, je me dis, bah, vas-y, on va tester un modèle sur un. Donc, son business, elle veut le garder vraiment en petit truc artisanal, sans recruter, sans équipe, sans rien. Et je dis, OK, bah, on garde ce business-là vraiment à la manière… moi, j'appelle ça la méthode Jean Rivière, tu vois. Jean Rivière, c'est une personne qui m'a énormément inspiré sur le web, qui a inspiré beaucoup de gens qui gagnent de l'argent sur le web. Et tu as des gens comme, voilà, comme Jean Rivière, comme Antoine BM, qui font de l'argent, qui ont quasiment pas de frais, quasiment pas de charges et qui…
ont leur petit rythme quotidien. Et t'as d'autres personnes qui ont une équipe, qui ont des coachs, qui ont des gens, qui ont plein de freelance, etc. Et je dis, OK, bah, toi, tu gardes ton business en mode Jean Rivière, en mode maximum de marge et minimum d'équipe et minimum de temps. Et moi, sur Otake, j'ai testé l'autre méthode. Et en vrai, on verra laquelle des deux marche. Et dans un an ou dans deux ans, on fait le bilan. Et celle qui marche, on l'applique aux deux. Et voilà, tu vois. Et donc, là, c'est ce qu'on va faire pour cette année. Donc, en fait, pendant longtemps, j'étais un peu dans le... je faisais pas parce que j'avais peur que... En fait, j'avais l'impression que je devais tout passer sur un des deux modèles. Et du coup, j'étais un peu dans l'inaction, tu vois. Et du coup, bah, en fait, je continuais à faire ce que je faisais. Et là, c'est un truc que j'ai compris. Du coup, ça m'a soulagé de me dire, en fait, je suis pas obligé de tout passer. Je vais passer un seul des deux business et on va voir ce que ça donne. Et après, bah, si je dois faire marche arrière, je ferai marche arrière. Si je dois continuer à accélérer, je vais accélérer. Mais là, c'est ce qu'on va faire là dans les prochains mois. OK. Waouh. Bah écoute, on a fait une parenthèse de dingue, mais ça en valait la peine. On va retourner à la question de l'offre. Comment créer une offre irrésistible pour gagner de l'argent? OK. En fait, l'offre, il y a beaucoup de gens qui confondent le produit et l'offre. Donc, tu vois, tout à l'heure, on a parlé du produit. Le produit, c'est la mode de livraison. Ça va être, tiens, une formation avec 8 vidéos et 5 exercices PDF. Tu vois, ça va être une journée à Paris, un atelier. Donc, ça, c'est le produit. Maintenant, l'offre, c'est vraiment la transformation que tu vas amener chez le client. J'aime bien dire que nous, on ne vend pas des formations, on vend des transformations. Mmh. Et du coup, si... comment dire, toi, ton offre, c'est tout simplement d'identifier le point A du client, donc sa situation actuelle, ses blocages, ses douleurs, ses peurs, ses craintes, d'identifier le point B, c'est-à-dire ses aspirations, ses rêves, qu'est-ce qu'il voudrait être, qu'est-ce qu'il voudrait faire, qu'est-ce qu'il voudrait avoir, quelles expériences il voudrait vivre dans sa vie, et de se dire, OK, j'ai une solution qui te fait passer de A à B, qui te fait passer du point A ou du point B. Et ton offre, c'est simplement comment passer du point A au point B dans un minimum de temps et dans un minimum de douleur. Et quand tu arrives à formuler tes produits comme ça, typiquement, ça donne plus envie. Tu vois. C'est par exemple, au lieu de te dire, tiens, j'ai 14 heures de vidéo réparties en 18 modules, je vais t'expliquer, bah, tiens, j'ai une méthode simple en 3 étapes pour gagner ta vie sur Internet en moins de 3 mois. Mmh. Et en fait, je pourrais même dire, voilà, une méthode simple pour gagner ta vie sur Internet en moins de 3 mois, même si tu connais rien en technique. Et du coup, c'est une offre, alors que si je te dis, tiens, j'ai 14 vidéos, ça fait 8 heures au total, ça, c'est un produit et en fait, ça te parle pas et ça parle pas à l'émotionnel de la personne. Donc, l'offre, c'est vraiment de comprendre le point A, le point de départ du client, le point d'arrivée du client qu'il veut et lui faire visualiser le pont entre les deux et que ce pont, bah, ce soit ce que toi, tu proposes. Génial. En fait, c'est dit comme ça, ça a l'air super simple, c'est aussi simple que ça, mais parfois, en fait, ça demande beaucoup de travail pour comprendre vraiment où en est le client, à la fois dans l'état, à la fois factuellement, mais à la fois émotionnellement, à la fois même physiquement parfois, où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il veut aller. Toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa vie au-delà de ce que tu vas lui enseigner, et ça, ça demande du temps et beaucoup de temps de recherche, donc de discussion avec tes prospects pour comprendre vraiment où ils en sont. Ok, waouh. C'est l'idée, c'est voilà d'apporter la transformation, le meilleur à son client, alors que quelquefois on réfléchit en mode producteur, tu vois, qu'est-ce que je vais produire. Alors que là, c'est vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon client. Est-ce que on peut parler un peu de tarification? Est-ce que tu penses que question un peu difficile parce que c'est large, mais est-ce que tu penses qu'il est possible de faire une grosse offre, une bonne offre à un prix bas, ou est-ce qu'il y a un minimum à facturer pour faire une bonne offre? C'est quoi que tu appelles une bonne offre? C'est une offre irrésistible? Ouais, une offre irrésistible où justement tu apportes de la transformation en fait. Bah, tu vois, moi j'ai deux modèles, tu vois. Le modèle sur ma femme, avec ma femme, on vend des produits à 50 euros et moi, je vends des produits à 3000 euros. Ouais. Donc, et en fait, les deux, les clients sont contents, les deux, les clients sont satisfaits, mais il y en a un où tu dois faire beaucoup plus de volume pour avoir le résultat, et il y en a où forcément, tu apportes une plus grosse transformation parce que c'est ça, en fait. Ce que tu vends pas un nombre de vidéos, un nombre d'heures, tu vends une transformation. Mmh. Et je pense que plus la transformation est importante, plus tu peux le facturer cher parce que toi, ça va te demander du travail.
le client, ça va lui demander du travail. Et il y a un truc que moi, j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai observé, c'est que tu ne peux pas être transformé par quelque chose que tu as eu gratuitement. Tu vois, ton sommet, il est très, très bien. Mm-hmm. Il y a énormément de valeur. Tu vois, il y a 25 intervenants. Et enfin, il y a des gens qui sont très, très rarement en interview. Tu as des gens qui sont les top leaders de leur industrie. Tu as énormément de contenu, je pense. Mais malheureusement, je sais que la plupart des gens ne vont pas en tirer la valeur qu'ils ont parce qu'ils l'ont eu gratuitement. Tu vois. Et s'ils avaient payé… Alors, attends. Ouais, je vais me mettre à l'ombre là. Parce qu'en fait, il y a des nuages. Et quand les nuages sortent, bougent, le soleil, il me flingue les yeux. Donc, si les gens avaient payé ce contenu-là, je ne sais pas moi, 1000, 2000, 3000 euros, ben, ils auraient eu beaucoup plus de valeur et ils en auraient eu beaucoup plus conscience de la valeur de ce programme-là. Maintenant, comme tu leur as donné ces interviews gratuitement, tu as les plus motivés, les plus sérieux, les plus rigoureux qui vont appliquer ça, qui vont appliquer tout ce qu'on est en train de te dire, par exemple. Et il y en a qui vont se dire, qui vont prendre ça comme de l'information, tu vois, comme un truc Netflix et qui vont passer à autre chose. Toi, typiquement, le système en trois étapes, c'est-à-dire trouver son offre, identifier sa niche, créer une offre et mettre en place un système de vente. C'est ce que moi j'enseigne avec mes clients, tu vois, ils me payent 3000 euros pour ça, mais parce qu'on le fait ensemble, etc., et qu'il y a d'autres choses derrière. Mais finalement, cette information-là, elle suffit pour créer un business. Alors attends, je vais régler ça comme ça, on est à la même hauteur. Hop. Voilà. Et du coup, je pense que si tu veux vraiment que tes clients soient impliqués et engagés, ben, il faut qu'ils payent un minimum parce que sinon, sinon ils vont prendre ça à la légère et à la rigolade et ils vont pas s'investir dans le programme. Et finalement, comme tu n'es pas un magicien, s'ils ne s'investissent pas personnellement dans le programme, bah, il n'y aura pas de résultat. Tiens. Donc, je pense que c'est ça que les gens payent. Ils payent leur engagement. Et donc, si tu veux que les gens soient engagés et qu'ils aient une vraie transformation, il faut les faire payer un minimum. C'est clair. Et c'est pour ça que bah, dans le cadre du sommet, en parlant en toute transparence, il y a aussi le pass VIP. Et bah, ceux qui prennent le pass VIP, tu vois, ils sont plus engagés. Et en fait, j'ai voulu mettre un pass VIP pour ceux qui veulent aller plus loin parce qu'il y a des gens, tant que c'est gratuit, ça les motive pas, quoi. Ils vont pas venir, ils vont pas regarder, quoi. Moi, je fonctionne comme ça. Tu peux me donner 100 interviews, 100 masterclass des meilleures personnes au monde si c'est gratuit. Voilà. Et quelquefois, tu mets juste un prix et c'est la même chose, hein. Alors là, pour le coup, c'est pas la même chose hein, pour ceux qui ont pris le VIP. Mais même si c'était la même chose, ça change toute la dynamique. Est-ce que c'est un levier que toi, tu utilises pour faire travailler tes clients de mettre un prix plus élevé ou pas? Moi, aujourd'hui, je mets un prix que je juste… Tu vois, je suis pas dans la course à mettre des prix plus élevés. Il y a environ un an et demi, on a vu ça des personnes qui… Ouais, moi, je fais une offre à 5 000, moi, je fais une offre à 20 000, moi, je fais une offre à 50 000, moi, je fais une offre à 100 000, j'ai une offre à 1 million, il y en a qui ont sorti des offres à 1 million. C'est bien, tu vois, je pense que selon les clients à qui tu t'adresses, une offre à 1 million, ça peut être pertinent. Moi, je m'adresse à des débutants, faire une offre à 1 million, c'est clairement pas pertinent. Du coup, je fais un prix que je juge juste par rapport vraiment à la valeur que je mets, par rapport au… c'est-à-dire à la transformation qu'ils vont avoir par rapport au contenu, par rapport aux résultats qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est comme ça que je définis mes prix. Mais bien sûr qu'il faut que le prix soit inconfortable pour ton client. Tu vois. Alors, attends, je vais juste baisser la luminosité parce que depuis tout à l'heure, je suis à fond en luminosité. Et je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de garder de la batterie. je te disais, tu sais, par exemple, si je suis coach sportif. Ouais, si je suis coach sportif, et que mon but, c'est de… Il y a deux choses. Par exemple, allez, mon but, c'est de te faire, prendre en explosivité au niveau des muscles. OK ? Ben, en fait, si toi, ton but, c'est de juste gagner en explosivité parce que tu es sportif comme ça au quotidien et je te fais payer 500 euros ou 1000 euros, ben, ça va être inconfortable pour toi et tu vas te dire, OK, peut-être c'est intéressant et je vais le faire les efforts. Maintenant, si je suis avec Cristiano Ronaldo, et je lui dis, tiens, on a une séance par semaine et tu me payes 1000 euros par mois. En fait, il ne va pas me prendre au sérieux, tu vois. Il ne va pas me prendre au sérieux et du coup, il ne va peut-être même pas venir à mes séances, tu vois ce que je veux dire. Après, Ronaldo, comme il est sérieux, il va venir, mais il ne va peut-être même pas venir à mes séances et du coup, il n'aura pas le bénéfice de ce que je peux lui apporter. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un prix par rapport à… En fait, pour que ça crée de l'engagement chez tes clients. Surtout quand tu vends vraiment une vraie transformation. Après, quand tu vends juste, il y en a qui vendent des plans PDF pour fabriquer ta table de jardin, tu vois.
ça demande pas un gros engagement, tu vois. Mais quand tu veux vraiment créer une transformation de vie chez tes clients, il faut que les gens soient engagés. Et tu vas voir que même quand ils payent, il y en a qui ne sont pas engagés, tu vois. Moi, j'ai vu des gens payer des programmes à 2, 3 000, 5 000 euros et ne pas les suivre, tu vois. Donc, imagine si c'était gratuit. Ouais, ouais. Waouh. C'est génial, c'est génial. Passons à la troisième partie. Tu voulais nous parler de système, ok? C'est pas suffisant de trouver sa niche, d'avoir une offre, il faut avoir un système en place. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, bah en fait, c'est ça, c'est que tu sais à qui tu veux parler, tu sais ce que tu as à leur proposer. Maintenant, il faut que les gens découvrent ce que tu as à leur proposer. Mmh. Et en fait, faut mettre en place un tunnel de vente. Alors, sans parler de logiciel, etc., parce que ça peut être un tunnel de vente sur YouTube, tu vois. Mais en fait, dans un tunnel, tu as différentes étapes. Tu as le moment où les gens te découvrent, le moment où les gens sont convaincus et le moment où les gens achètent. Tu vois. En fait, tu as trois étapes dans ton système. Après, chaque étape peut être décomposée. Tu vois. Mais en gros, dans ton système, tu dois toujours avoir ces trois étapes-là. Donc, la source de trafic, tu dois avoir le mécanisme de conversion. Donc, comment tu donnes aux gens, tu donnes envie aux gens d'acheter. Et ensuite, derrière, bah, tu livres ton produit et tu les fidélises pour éventuellement leur vendre d'autres trucs derrière. Et du coup, ce système-là, tu peux le mettre en place. Ça peut être typiquement genre une chaîne YouTube où les gens te découvrent, des vidéos de vente sur ta chaîne YouTube qui convertissent après vers, par exemple, un appel téléphonique pour vendre du coaching. Ça peut être de la publicité qui envoie sur une page de capture avec une séquence email. Et donc là, t'as comment dire, ton mécanisme de conversion, c'est la séquence email. Et après, tu les envoies sur une page de vente qui va vendre ton produit. En fait, à ce moment-là, les outils que tu utilises, ils sont pas très très importants, tu vois. Ce qui est important, c'est vraiment le chemin que le client va faire. Et donc, à partir de là, j'avais fait ce que je fais en conférence. Non, je veux pas le spoil. Je veux pas le spoil parce que, mais en gros, j'explique justement toutes les sources de trafic. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Les différents systèmes de conversion et les différents moyens de livrer ton produit. Et en fait, tu peux choisir n'importe lesquels, en fait, tu vois, au hasard. Tu peux choisir n'importe lesquels au hasard et ça marche, tu vois. Tu fais une vidéo YouTube qu'on voit sur un appel de vente et tu vends de la prestation de service, ça marche. Tu fais des posts Instagram qui envoient sur un webinaire et tu vends une formation en ligne, ça marche, tu vois. Faut juste avoir ces trois étapes. Donc, acquisition de trafic, conversion, livraison. Et après, ça marche. Alors, il y en a qui marchent mieux, plus ou moins selon les thématiques. Mais globalement, tu vois, tu fais du LinkedIn pour envoyer sur une séquence email et vendre du coaching, ça marche, tu vois. Enfin, la plupart des combinaisons marchent dans la plupart des thématiques. Waouh, génial. Amine, ouais. Et du coup, pour faire ça, bah, t'as des outils, t'as des logiciels qui facilitent la chose, par exemple pour encaisser les paiements, pour envoyer les mails, etc. Mais avant de se lancer dans la course aux outils et aux logiciels, parce que très souvent, les débutants, ils se focalisent sur « Ah, mais quel outil j'ai besoin pour faire ça ?» La vraie question, c'est voilà, quel système tu veux mettre en place et après, des outils pour le faire. Il y en a différents, il y en a plus ou moins chers, plus ou moins performants. Et ça, c'est une deuxième question. Waouh, génial. Merci beaucoup, Amine. Si les gens veulent aller plus loin avec toi, s'ils veulent travailler avec toi pour que tu les aides sur tout ce que tu as présenté aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur proposer aujourd'hui? Ok. Y aura des liens sous la vidéo? Ouais, bien sûr. Ok. J'organise moi une journée à Paris le 28 mars où justement là, ce qu'on vient de faire en 45 minutes, on va le faire en 5 heures. Donc, y aura un livret d'exercices où tu pourras repartir avec un plan d'action en repartant avec toutes les questions. Toutes les étapes vraiment sur papier. Il y a vraiment des moments de travail en groupe où les gens vont vraiment réfléchir à quel problème ils veulent résoudre, quel système ils veulent mettre en place, etc. On pourra me poser mes questions, tu pourras interagir avec les autres personnes autour de toi. Et pour ta communauté, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de leur faire un truc spécial. C'est comme le tarif, il augmente progressivement et je sais pas à quel moment ils vont regarder cette vidéo. C'est que pour toutes les personnes qui réservent une place, ils peuvent venir avec la personne de leur choix. Donc, c'est une place achetée, une place offerte. Wow. Ils ont juste, une fois qu'ils ont réservé leur place, ils m'envoient un petit mail en me disant, tiens, je t'ai vu sur le sommet virtuel de LinkedIn et j'aimerais attribuer ma deuxième place à telle personne. Et tu m'envoies un mail. En fait, quand tu commandes, tu reçois un mail de confirmation et au mail de confirmation, tu réponds et je serais ravi de t'offrir une deuxième place. Le tarif, il est très, 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 très bas.
Là, il est à moins de 100 euros, enfin beaucoup moins de 100 euros en ce moment, mais il va augmenter. Donc, il faut regarder sur la page. Le programme, c'est y a une partie de conférence, il y a une partie d'atelier où vraiment on va s'arrêter pour travailler sur les exercices, il y a une partie de networking. C'est à Paris, c'est le 28 mars, c'est de 14h à 19h, enfin 19h, 19h30. C'est vraiment toutes les étapes fondamentales pour construire ton business en ligne si tu as envie de devenir coach ou formateur. Waouh, merci beaucoup pour ce cadeau. J'ai envie de vous dire, premier arrivé, premier servi, la salle elle a forcément des capacités limitées. Bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous le plus rapidement possible. C'est super sympa d'offrir cette deuxième place. Et puis, allez-y avec quelqu'un de motivé. C'est hyper concret et au moins, vous repartez avec quelque chose de précis. Et ça, c'est juste formidable. Donc, je peux que vous recommander de vous y inscrire. Amine, un dernier mot à partager à notre audience, à ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aimerais leur adresser comme message? J'aimerais, on va dire deux messages. Le premier truc, c'est que tu l'as dit, j'aimerais revenir dessus. Tu l'as très, très bien dit. C'est que parfois, on peut courir après des objectifs, après des montagnes qui ne sont pas les nôtres. Tu vois, je ne sais plus, quelqu'un qui disait… essayer de gravir les montagnes des autres, ou je sais plus c'était quoi la citation, mais en gros, faut pas essayer de courir après des objectifs ou après des rêves qui ne sont pas les tiens. C'est facile de voir des gens avec des Lamborghini, des voyages, des villas, etc. Mais parfois, en fait, faut pas confondre la vitrine des gens, faut pas comparer la vitrine des gens avec ton arrière-boutique à toi. Et en fait, des fois, tu vois la vitrine des gens en te disant, tiens, Amine, c'est cool, il est en Martinique, il kiffe, sa vie, elle a l'air géniale, etc. Et en fait, toi, tu te dis, moi, ma vie, elle est pourrie, etc. Mais en fait, non, parce que moi, dans mon arrière-boutique, j'ai aussi, c'est le bordel, comme chez tout le monde. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs sur lesquels je me prends la tête, il y a des trucs qui me font peur, il y a des trucs sur lesquels je suis pas du tout confiant. Et c'est pareil pour tout le monde. Et moi, quand je vois d'autres personnes, je me dis, putain, sa vie, elle a l'air géniale. Parce que je compare ce que lui, il montre de manière publique à ce que moi, je vis dans l'intimité. Mais ce que moi, ce que je montre de manière publique aussi, ça a l'air génial. Tu vois, j'essaye de montrer aussi un peu les galères, mais pour beaucoup de personnes, ma vie a l'air géniale, alors que c'est juste une vie, c'est une vie normale. Tu vois, je suis une personne normale, donc faut pas essayer de courir après des rêves qui sont pas les tiens, parce que chaque vie idéale a un revers de la médaille. Et du coup, faut en avoir conscience. Faut vraiment courir après tes objectifs à toi. Et le deuxième truc, c'est que c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Aujourd'hui, tu vois, la vie que j'avais imaginée il y a 10 ans a été différente de celle que je voulais aujourd'hui, parce qu'il y a 10 ans, j'étais débutant et je me disais, je vais être millionnaire, je vais faire ceci, etc. Aujourd'hui, la vie que j'ai, elle s'en rapproche sur certains points, elle s'en éloigne sur d'autres points sur lesquels je suis pas aligné. Mais j'étais loin de m'imaginer de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois, de pouvoir kiffer autant, de pouvoir vraiment voyager autant, de pouvoir prendre autant de temps avec mon fils. Et ça, en fait, faut te dire que c'est possible pour toi aussi, c'est possible pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas facile, mais c'est pas compliqué. Ça demande juste du temps, des efforts, de la régularité. Il y en a qui vont le faire en un an, il y en a qui vont le faire en 6 mois, il y en a qui vont le faire en 3 ans, il y en a qui vont le faire en 5 ans. Mais en fait, c'est à toi de voir, est-ce que 5 ans, même si tu dois le faire en 5 ans, est-ce que 5 ans, c'est beaucoup trop long pour transformer ta vie? Je pense que non, tu vois. 5 ans, c'est même pas. Enfin, c'est une école d'ingénieur, tu vois. Et si tu veux passer de zéro à plusieurs milliers d'euros par mois en 5 ans en trouvant ton business, ça mérite au moins d'essayer pendant quelques mois et de ne pas abandonner à la première épreuve. Et la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est simplement parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à persévérer, à continuer et à chercher des nouvelles solutions, à t'améliorer. Parce que si tu n'abandonnes pas, il y a un moment où ça finira par marcher. Et enfin, c'est indéniable. Je connais personne qui est là depuis 10 ans et qui n'arrive toujours pas à gagner sa vie. Tu vois. Y a forcément un moment où tu trouves un truc. Il y a forcément un moment où ton heure va venir et où ça va décoller. Mais il faut être là, il faut être constant. Et ça peut prendre quelques années. Même si pour la plupart, moi, de ce que j'ai vu, pour réussir à en vivre, il te faut environ un an et demi, 2 ans. Il y en a, ils vont le faire en 3 mois. Il y en a, ils vont le faire en 4 ans. C'est pas grave. Tu vois. L'important, c'est de kiffer. Et à la fin, si tu arrives… Si tu prends l'âge que tu as aujourd'hui et tu rajoutes 5 ans, si dans 5 ans, tu arrives à être indépendant et à vraiment kiffer ta vie, est-ce que ça vaut le coup? Il n'y a que toi qui as la réponse. Waouh, merci beaucoup, Amine. C'est
T'as un discours tellement vrai, tellement puissant, c'est génial. Merci beaucoup, Amine. Est-ce que ton fils s'est réveillé entre-temps? Je sais pas, moi je suis loin de la chambre là. je vais aller voir ça. Ça, mais je pense qu'il est réveillé parce qu'en général, là il est quelle heure? Si je remets la luminosité, 8h11. 8h11 en général, il se réveille vers 7h45, 8h, donc là il va être réveillé. Ça va être parfait, on va pouvoir aller voir ça. Cool. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Tu remercieras ton fils et ton épouse de nous avoir prêté ta présence. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Au début, j'ai dit que je sais plus comment j'ai formulé le truc en me disant ouais, ça me fait prendre du temps. Mais enfin, si ça me faisait chier, j'aurais dit non, tu vois, directement. C'était vraiment un plaisir de participer à ce genre de d'interview et de partager ça. Et t'inquiète pas, il me voit assez dans la journée, je pense. Franchement, je passe beaucoup de temps avec lui. Donc, il m'en voudra pas. Et il t'en voudra pas non plus. Ça marche. Merci beaucoup, Amine. Ciao, ciao. Allez, ciao.